En pile, merci parce que vous cliquez sur vidéo ça. Dans la chaîne, ça nous parle de causes et spiritualité. Et je dis à nous faire parler de l'esprit, marinette pied sèche dans vos doigts haïtien. Et avant nous aller pile, je m'a demandé depuis nous remettre channel là, abonnez-vous à votre channel là, j'aime vidéo là, quittez commenter et puis partagez vidéo là, ensemble avec monde qu'on connaît, qu'après mes gens de vidéo ça, ou gens de contenu ça. Marinette pied sèche, c'est une loi femelle, c'est une énergie femelle dans vos doigts haïtien, ou j'en ai dans division Petro ou bien dans champ Petro, et puis Ritli c'est Bizango. Donc, Marinette pied sèche, il fait partie de cette Bizango dans vos doigts haïtien. Qui sont un secte qui très fermé, si qui sont un secte secrète dans vos doigts haïtiens. Donc, en division P3, c'est division dans vos doigts haïtiens qui pis chaud, ou jeune loi qui pis chaud la donne. Et bien, nous capables de considérer secte Bizangoa, c'est une forme qui pis extrême de division P3 dans vos doigts haïtiens. Marinette PSH, c'est une loi qui est plus craintif pour les vaudois haïtiens, ou même des cas qui est plus paix dans les vaudois haïtiens, parce qu'il est vraiment dangereux, vraiment violent et il est imprédictible. Ça veut dire, ou pas facile prédire ça le pral fait, ou pas facile prédire comportement. C'est un esprit différent qu'il y a, il connaît sous plusieurs noms dans les vaudois haïtiens. Il y a un côté où on connaît le surnom marinette bois sèche, il y a un côté où on connaît le surnom marinette pied sèche, il y a un côté où on connaît le surnom marinette limette de fée. Et puis tout nom ça, il y a attribué l'ensemble avec une forme squelette, forme et zombie que il y a. Nous connaissons genre forme squelette qui remet facile sèche, ou bien en forme zombie qu'on voit dans la télé, ou comme si qu'on a vraiment sèche ses os, ou quoi, et bien c'est un bagage presque comme ça. Mais il y a des gens qui disent que le marinette bois sèche ou bien marinette pied sèche, c'est parce qu'il n'y a pas de bois ou bien il n'y a pas de pied. Mais son nom a plus tard de parler de lui, c'est marinette pied sèche. Et il y a même source qui dit que c'est les marinette bois sèche, c'est le nom état démonique. Nous connaissons la majorité dans la loi, il y a un côté qui est doux la caillou et un côté qui est chaud la caillou. C'est la loi la nature même, un côté qui est bon, un côté qui est mauvais. Et bien, c'est même genre, dans marinette pied sèche, il dit que le lien état démonique, il est vraiment violent, vraiment pas joué. Donc, il y aurait les marinette bois sèche dans l'état ça. En pile, moun kon marinette pied sèche comme étant mambo qui te sacrifié gros cochon créole noué dans cérémonie bois caïman qui c'est commencement révolution haïtienne. Donc, ou ka considéré marinette pied sèche comme étant fait partie de loi qui te ban nou liberté. Mais là, utiliser loi ça pour faire un travail, il y a un effet qui est vraiment violent et destructif. Énergie mali, c'est tijan Petro. Et nous connaissons Jean Petro, les machins avec Ezli Danton. Donc, il y a des gens qui considèrent Jean Petro comme étant Marinette, mais moi, je préfère dire énergie mâle, énergie femelle. Je considère Marinette PSH comme tant que un esprit qui part en paix. En anglais, il y a un esprit qui a un nom, Entropical Spirit. C'est des esprits que ils ont été vivants, ils ont été morts vraiment terribles, ils ont été morts laides. Et puis après la mort, je ne finis pas en paix. Et puis, je suis allé dans la ville, tourner en loi. Son esprit qui a vraiment grand pile respect pour lui, même j'ai grand pile la paix pour lui. Tout. Et il considère comme maîtresse loup-garou dans le vaudois haïtien. Et sous ces haïtiens, nous connaissons loup-garou, ce n'est pas même bagaille loup-garou qu'on voit dans la télé. Non, ok. Sous ces haïtiens, nous connaissons loup-garou, m'a parlé. Je crois que nous faisons une vidéo même sous ça pour nous bien. Et idée sur le garou dans le thème haïtien, dans le thème vaudois haïtien. Et Marinette PSH est reconnue en tant que loi qui est capable d'ouvrir le troisième œil pour révéler des bagailles. Des bagailles qui passent dans une zone par exemple, ou qu'on a des moules dans une division de loup-garou, une division de malfecté, ou qu'on a senti ça. Marinette PSH est capable de pouvoir ça pour ouvrir le troisième œil, serviteur. Ok, il va passer la nuit, il va passer dans le carrefour pour sentir des bagailles qui ne sont pas normales, pour voir des bagailles qui ne sont pas normales, et bien là, il faut voir. C'est un gros sorcier marinette pied sèche et au même considéré comme loi garde, ça veut dire capable d'utiliser pour protection pas ou loi sortie ou bien contre mauvais attaque. Et en pile monde bandit surtout, yo gen loi garde ça sou yo puis yo pas percé. En pile monde utiliser loi ça comme pour travail qui vraiment égoïste, pour travail qui vraiment et pas éthiquement bien.
Donc, ou ka fè apel a li, lò ou moun ou remè ou vle fè moun sa retounen nan vou, ou bien lò nan konba spirituel pou kaido. E pa an lwa ki rekomande pou fè apel a li an jwèp kon sa. Kon gen de moun ki rejistrite kon sa, yo retan an vige koneksyon a lwa, retan an vire le lwa. Non, gen de lwa ki vreman danjwe, ok? Gen de lwa se le ou nan mouman ki vreman desespere, ou pare an ou, pare a gauche, pare an ba. Donc, se le san fè apel ansama avèk yo. Se yon lwa ki ka fè moun kokobe, ki kapab touye moun, ki kapab vouye de maladi ki pret pou touye moun sou moun. Lop travak lwa sa, se dega ke l fè. Par exemple, sou travak lwa sa pou kapab takine yon moun, se pa moun nan direktyman selman e lap manye. Li ka manye menm sa ki akote moun nan, menm san, menm poch moun nan, fan, menm poch moun nan, dok li fè go dega. E konsey pa mse rete loin lwa sa ou bien lwa ki konsay yo pou sou pa kon koman pou jere yo. Sou pa gen sou men ou pa kon koman pou jere yo, rete loin de yo men. Paske ou ka fin fè travay ansan avèk lwa sa pou atake yon moun, e pi travay la retounen ankon ankon. E yon lwa ki vreman e prediktib, donk ou pa fasil ka predi travay li, ou pa fasil ka predi sa la fè. Nan temp ou bien nan peristil ki yo fasil fè apel avèk marinèt, ou kapab wè yon tiyo an asye epi ki gen yon chèn ki antouril. Se yon fason pou kapab rale espri ya. Yo fasil reprezentè marinèt pa yon chwèt. Sim jwen imaj bet la m ka postil pou nou. Epi koule li se noa ansama avèk rouj, rouj ki san, ki vreman fonse yo. Sakrifis animal ki yo kan fè pou lwa sa, se kochon noue ou bien e kok noue, yo pren ou boule tout vivan. Sa reprezente jan lwa sa vreman kriyel. Ok, li pren plezi lan gade bet sa yo ka boule tout vivan, e sa boule a tou, e fè l rejwi. An pil fwa kapab menm fè apel ansama avèk lwa sa, ou li jis fè aparisyon. Donk telman pil yo kaman bo kan perilil, donk yo pa vreman fè prepare pou li, e pi li menm li jis fè aparisyon. E lè li vini yo boule an kote pou li bien spesifik, lè posede yon moun pou kapab antre nan di fia, mache, danse, paske li remè sa. Servis lwa sa reme fèt lan nwit nan lera djab, ok? E djab se des espri ki ou pata anvire le yo telman ki yo viola. E gen moun ki menm di ki seremoni sa yo yo pa vreman fèt souji, yo fèt des andwa ki vreman elwanyi. Pase video a sa zanmim yo, si nou te reme video a, mande pou nou like video a, pou nou komante, pou nou pataje video a, pou plis moun kapap kon chanel sa, ok?